Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit jeu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Molki, mais en tout cas, j'en ai fabriqué un pour vous, pour que vous puissiez vous-même en fabriquer un. Donc, le principe, c'est des petites quilles numérotées. Donc ici, en l'occurrence, ce sont des cartons de papier toilette. J'ai mis à l'intérieur du journal pour qu'elle soit juste un peu plus lourde. Okay. Et puis, une petite quille, enfin, un objet pour essayer de les abattre. Hein, qui est cylindrique, c'est fait avec des bouchons de lait et du scotch, mais là vous pouvez faire ce que vous voulez, du moins que ça n'est pas cylindrique. Un petit rappel sur les règles du Molki. Donc les règles du Molki, c'est pas difficile, on a des quilles numérotées que l'on doit abattre, et le premier qui arrive ici à 30, puisqu'on a 10 quilles, gagne la partie. Pour arriver à 30, deux manières de marquer des points, ou alors on fait tomber une quille et on marque le nombre de points correspondant à la quille, ou alors en tirant on en fait tomber plusieurs et là on marque le nombre de quilles qui sont tombées. Particularité du jeu, toutes les quilles reviennent à leur place. Hein, si par exemple on envoie les quilles là-bas, et bien les quilles on les remet à leur place, ce qui va permettre ensuite de choisir les numéros qui nous manquent pour arriver pile poil à 30. Si jamais on n'arrive pas à 30, on dépasse le chiffre 30, et bien on revient à 15. Ça permet de continuer la partie. On peut jouer en famille avec tout le monde. Donc ce jeu, ben, on peut jouer à l'intérieur ou à l'extérieur. Je l'ai fait pour qu'on puisse jouer dans les deux cas. Si on veut jouer dehors, ben, à la limite, remettez un petit peu de journaux à l'intérieur des quilles pour qu'elles soient un peu plus lourdes. Mais vous pouvez jouer tranquillement. Donc comment on va mettre un petit peu d'exercice physique là-dedans? Ben, tout simplement, lorsque l'on va faire tomber une quille, le numéro que l'on marquera correspondra à deux petits exercices à faire. Aujourd'hui, là, pour cette partie-là, ce sera des squats. Donc à chaque fois que l'on marque un nombre de points, on doit, dans la zone qui correspond au défi physique, mais de se faire le nombre de squats. Donc petit rappel pour le squat, et bien on se met comme ceci, sur le côté, on a bien les pieds parallèles, les genoux parallèles, on va descendre et remonter tout simplement. Donc importance de remonter en soufflant, je descends et 1 et 2, si j'ai fait tomber la quille numéro 2. On y va, premier joueur, oulala. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remets bien les quilles à l'endroit où elles sont tombées. Et 7 ici. Hop. Je remets bien les quilles à l'endroit où elles sont tombées. J'ai fait tomber 7 quilles. Je fais donc mes 7 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. J'ai donc 7 points pour l'instant. Oui, 3 points pour Lucas. Oui, il a 10. Bien joué, Lucas. Alors, 10 points avec plus ses 3, ça lui fait 13. Et 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je vous invite à jouer au Molki de poche, hein, chez vous, et vous allez voir que vous allez vous régaler. On peut faire des belles parties, hein, et inviter les parents, les frères, les sœurs, et faites une belle partie de Molki en famille. Allez, profitez bien, bon confinement, et régalez-vous.